Samuel Doula, li paraît très woklo, mais m'abdouli quand même parce que son vérité fom baoul. Chef gang Izo invité Ariel Henry vin fêter ensemble avec lui. Invitation ça pas seulement pour Ariel mais pour Chris là. Les pour moun dans cité soleil li bouge neuf li bouge pep. Qui ça mouche a fait en dans village qui fait comme ça gagner pour hasarder invité Ariel Henry. Ça c'est une pile question que moun a posé. Nous va regarder comment on capable répondre à travers émission ça. Et on l'autre bord, on sait ce qui a trait avec décision que Luis Abinader président dominicain a te prend. À l'encontre de Claude Joseph et indexé en tant qu'un gang puissant dans le pays d'Haïti pour ne pas mettre point de pied dans le pays Saint-Domingue, il y a un peu de gros autres dans la politique par rapport à nous avons parlé sur le dossier ça et nous allons essayer d'aborder ce sujet ça dans le cadre d'émission qui est vraiment important pour écouter. Restez là, vous avez tout petit détail à clair et me senti au final satisfait. Comment nous y est-ce que nous avons kembe? Mouche ISO 5 secondes. Tout ça, journée jodi a, m'pa ka dou si son kè kontan mi se gen, m'pa ka dou ki sa tout, est-ce que c'est mal fini deyèl, mais mouche a vin pa konti Jean Farouche. Après te vin fon déclaration pou l'di, li pa nan question kembe zam, li ba lòt moun jere sa e mikol gen kembe, li gen mizik ki la prepare. Est-ce qu'on konnen mouche a meton audio deyò, an pil moun di, mouche ISO sa a, se fréquencité. Comment fait toi Azadel invité mouche Ariel Henry, vin fête ensemble avec lui en dans village? Vous entendez? Et Moucha a invité Ariel, il a invité Chris là, il a invité Moun Cité Soleil, Moun Delma, Genève, GPEP, viens fêter ensemble avec lui. Pour Chris là, il même dit pas besoin de faire un bel cap chanter. C'est au moment de joie, au moment de fête, on met venir, venir enjoy, venir prendre plaisir ensemble avec lui. Et ça fait vraiment, on prend ça fait qu'elle content. Mais quand t'as Ariel Henry, un peu Moun étonné, les Mouche, Izo, cité non Ariel en tant qu'un bon partenaire. Pour lui fêter ensemble avec lui en dans village. Bagay la compliqué, grand pile moun k'a posé question k'a dit qui raison qui fait mouché a inviter Ariel m'pa konnen. Même si c'était lancé invitation comme ça, bon permettre ou al koutel avec propre oreille et moi même m'a tourner par la suite pour rester détaillé. OK. Alors, album O la loi demain samedi à même village de Ti, tout moun invité, il faut vivre Haïti, il faut vivre dans monde là, moi invité. Mais tout le monde est Ariel Henry, Chris là, Tina Bri, Mouto, mon foutre là, mon grave, mon Delma, mon cité soleil, tout le monde est invité. Bon, tu vois la canoë, c'est pour ça. Et tout le monde est gratis là, et fanatique gratis maintenant. Mais je connais mon début fanatique Haïti. Non, mon blog, c'est un amour, on va changer. Ok, la début, c'est un bout d'artiste qui a vu dans le message. Et puis, mon orchestre, qui m'a dit, je vais voir la cité noire, artiste, je vais voir ce film. Qui va tailler pour qu'on ne baille pas la moune qui connaît pas dans ce garde. Ça va se aller au pays tout même, ok? Aux autres qui font côté. Qui va tailler invité? Tout le monde n'est pas cité non, si vous citez non, l'autre va déjà l'eau, vas-y, oh, nous pas qu'à artiste, nous faire monde, vous citez non, et quelqu'un va me pas citer non. En tout cas, album de l'année, à moi, tu encore. Il dit quoi, album qui est pas maintenant? Pour l'année 2022, tout le monde peut trouver la police. Je dis ça, il y a 52 000 dollars là, 42 000 dollars chez la chaîne. 36 000 dollars Rolex. Oh, il y a pas de Rolex. Mike, comment là? Ok, je pense que nous tendons, Mouche Izo qui t'a invité Ariel Henry, vient fêter avec lui en dans village. Et Mouche Izo, lui fait qu'on est journée aujourd'hui à ses artistes qui lient. Et si vous comprenez, c'est la musique qu'elle a fait. Et puis, il y a un album qui a sorti. Dans 25e album, il dit pour Mouche Ariel Henry, vin bal bénédiction en dans village. Je connais quelque chose qui a posé là pour demander est-ce que vous n'avez pas habitué Albert Tigouagio ensemble en dans village? Bon, là, je ne sais pas si vous réponse. Mais la fin, je ne sais pas si vous avez fait. Et si vous comprenez, parole, ça tout dans la bouche. Mouche Izo, parce que vous avez parlé comme ça. Tout ça est important. Mais m'a dit ça tout monsieur pas égaré, m'a dit là on est rentré dans gang intelligent pour qu'ils aillent pas tout éviter France LB vienne fêter ensemble avec lui tout ça t'a pas important ça montre que France LB pas connait coller boyo avec lui c'est Ariel Henry connait coller boyo et pour t'inviter France LB pour France LB t'est tout passé prendre quelques unités spécialisées en dans la police là pour nous t'as bien joyeux en dans village là laisse on t'a bien nous t'a pour Mouche Izo face à face soldat face à face est-ce que vous comprenez. Et puis ça, puis fait blata bas en bas.
Noël pas égaré, li konn qui est pour l'inviter. Même m'a dit ça, mon cher Izo c'est un nèg qui vraiment lâche parmi tout bandi dans pays d'Haïti. Mais son nèg tout gen bouche, son nèg tout qui gen stratégie. Et c'est lâcheté ça qui permet li adapter avec toute stratégie ça yo. Gen moun k'ap conseiller tout, c'est pas pour sans raison, li mette toute caméra ça yo pour li gen envie en dans village là. Comprenez bien oui, pour gen tout ça k'ap passer en dans village là, mais en dehors de village là tout. Est-ce que comprendre qui fait le gain? Même j'ai l'impression il met un caboule dans le visage, il cap réchauffer le visage matin, midi, soir. Raison fait le mettre malgré qu'on est vraie image et vrai, on capable dire visage mouché Izo, parce que les images l'était qu'on a prend la rue, peut-être pas connait s'il t'a bien puissant dans niveau si là. Mais on j'ai l'impression monsieur a dormi, il toujours cagouli. Est-ce que comprendre? En tout cas mes chers amis, c'est comme ça, chef gang Izo, on est qui très puissant, à titre rappel, qui trouve un paquet de policiers pour nous, qui saisit Chablende, qui boule Chablende PNH là, et bientôt ça, je ne jodi, à le fait, il passe comme on chantait au Will Pagan encore. Izo m'dou ça, pour ça, qui t'en fait dans la République, même si vous êtes en train dans l'église, ou bien mon Dieu la vie, ou s'ouvre le fond l'évangile tout bon vrai, peut-être ou dans des CBJ. Ça est important, oui. T'es gen Paul, il était dans prison, il t'a propagé l'évangile. Ou même tout cas dans prison et puis on baille l'évangile là malgré ces deux cas contraires. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ça faire dans la rue pour moun. Ou mettez de l'eau dans géo, a dit sous ta vle honnête avec tête, ou ta vle con tranquillité d'esprit, si conseil moi là adopter l'a vraiment fait qui choix pour. Bon, on quitte cantique, on prend prière. Gen une déclaration que Claude Joseph t'a fait. N'en pas-t-il là? Côté l'été réuni ensemble avec un paquet jeunes universitaires, professionnels, pour te tacler l'État haïtien, et te tout passé au clôté tête président dominicain qui c'est Luis Abinadel. Mais, je pense que Claude Joseph pas jamais pensé que Barala t'a pris comme ça. Après Claude Joseph, il a volé, monsieur volé ensemble avec Luis Abinadel. Et monsieur Bay compte Toya, eh bien, par la suite, nous avons pris le jeune. L'État dominicain pral interdit Claude Joseph, pas mettre point de pied, m'a le disago pour m'battre exagéré en République dominicaine. Mais ça crée là, yo mette non monsieur parmi 12 puissants chefs de gang dans le pays d'Haïti qui a bay problème, qui a même interdiction si là. Est-ce qu'on est gagné en pile moun, ça dérange? Est-ce qu'on est gagné en pile leader politique dans le pays d'Haïti? Baga ça fait au mal, bon j'en le dérange, yoa, li pas dérange Claude Joseph, au lieu de dérangement, Claude Joseph dit ça son honnête lié pour lui. Bon, bah, on est, si y a frustration, te permet de faire intervention ça rapide comme ça, mais d'où son gang, parmi 12 puissants chefs de gang, en tant que yon ancien PM, un ancien ministre, ça, li ta supposé retenir attention, attirer attention. Est-ce que vous comprenez? Mais on dit ça son honnête. Bon, bah, on est qui ça connaît pour là, si c'est gang là, bon, bah, on est. Tenez non, gagne yon il a torti. Yuri Latorti dit ça son fréquentité que l'État dominicain fait, le fait qu'il affilie Claude Joseph en tant qu'un gang, on est qui était premier ministre, qui était ministre des Affaires étrangères. On est tout, on est capable de dire, on professeur à l'université. Gagné, next à Guinou qui cite dans l'Ambo Jovenel, en parlant de Luné Balthazar, lui parle même gens tout. Il dit, il faut que l'État prenne responsabilité dans sa capacité là pour éviter une grande frappe, ça a un main dominicain. Gen Abel de Coligny même qui gâte ba monsieur gâte ba la net monsieur veut qu'on est si toutefois ça l'état dominicain dit de Claude Joseph en tant que gang là pas gang vrai faut ta font recours rapide vite est-ce que comprendre l'ouvrant tribunal et comment interaméricaine des droits de l'homme pour le faire moucher Luis Abinadel paye fréquentité qu'il fait gen tout. Pierre Espérance, qui est directeur exécutif RNDDH, Réseau National Cap Défendre Amoun, Mouchia li dit comme ça, li reconnaît Claude Joseph qui fait partie de gouvernement Moïse là, en parlant de Jovenel Moïse. Mais il dit pas de jambes, jouen un jour, on soupçon. On dit la fime qui est levé pour ta dit que Claude Joseph indexé dans la question de gangsterisation dans le pays d'Haïti. Il dit ça, son fréquentité. Ça, c'est tout le monde qui parle, tout le monde qui n'a pas fait bien. Et bon l'autre article que moi journal dominicain l'Isendial yo met dehors qui gagne image mouché petite Desalines Moïse Jean-Charles ensemble avec un paquet gang Ezekiel barbecue et suite bon dit notre bail clair
Je connais que ça dérange. Je connais que ça va faire bien. Et ça me dit là, ce n'est pas appuyer bral appuyer Luis Abinadel pour ça qu'il dit nous. Mais est-ce qu'on connaît pour gagner raison devant crasse? Eh bien, pour bien, nous tout a parlé, nous tout net a bay bel français rete dans un smartphone, a bay point de vie nous sans an, on va faire rien vrai. Mais ou d'accord avec moi, si nous voulons pour voisin respecter nous et ou même qui reste pour bay tête, ça important oui. Actuellement là, pour jouer gaz en bas pompio, ou obligé quitter machine ou dormi, ça son risque. Ou obligé quitter moto à dormi, nous obligé bloquer la rue pour bay nous gaz là. Rive en République Dominicaine, nan mwen ske 2 minutes, ou pa être en bas en pompe, ou ba kobou ou fait gaz à l'aise. Ça son, ou là nous va respecter tête nous. Nous gen une sélection. Pour le recevoir un match, nous pa ka recevoir la caille nous à cause gouvernement ou bien politicien. La caille nous craser pays a, c'est entre voisins nous obligé à recevoir match là. Comment on a voulu qu'on y a pour pays ça respecte. Qui respecte le bras de vous là? Vous pas respecter tête, ou pas faire respecter tout. Même tout le monde entendait des amis, époque l'embola qui m'a dit, il n'y a pas de respect. Non, toujours dit ça. Pas jamais répéter bêtises encore. Comment pour être le Boris Pola? Soyez pour le Boris Pola. Il n'y a pas de respect. C'est ou faire respect. Et un tel respect. C'est comme ça qu'il y a. Soit peut-être chercher respect. Ou bien tout le monde est sous-souri. Ou tout le monde est en clan. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas là, c'est vrai que ça, que une décision que Luis Abinadel prend pas rien parce que c'est pays. Mais indexer Claude Joseph en tant qu'on gang, c'est ça qui révoltant. Mais Kounia qui sont prêts à le faire là pour apaiser et fréquentité là. Qui sont prêts à le faire pour lever ça. Ça est important oui. On pas en fait toute ma digue. Même dit ça. Ouais, moi m'a parlé en tant qu'un journaliste et me parler tout en tant qu'un haïtien qui gen sang pays d'Haïti dans lui. Non, 20 mois qu'a coulé. Ouais, si m'étais un militant, même dit ça déjà oui. Si m'te gon on meilleur placement pour une grosse décision dans pays a gon paquet abolotio qui mette pays à un niveau côté lié là c'est sous place publique m'ta mette nous et puis m'di peuple là qu'un bon gars tout me cherche en festival vinn exprimer on prend mécontentement nous là vinn frustration que abolotio ba nous yo vinn exprimer là râler festival là bien détiré les puis la gueule chaque ça passe dans tête tout comme une indignation là le festival et comment ça m'ta faire loin m'dit ça clair oui messieurs. On vient craser un pays, nous vient sale, on prend un pays la gueule non malabou, on n'a pas révolté, tout n'a pas révolté là, yo tout participer dans craser pays ya oui, yo tout participer dans faire notre pays pas respecter nous. Même dit ça déjà, nèg ça ou là, yo pas prendre aucun autre côté après Haïti parce que Haïti bon pour yo c'est là faire boîte bay yo. Mais ou même y a force quitter pays ya. C'est ou même qui pas gagner valeur dans l'autre nation. On va voir ça. On met comme ça mieux Claude Joseph. Ça au bon là, ça senti frappe quel lié. Pour ça ne faire pays à messieurs, il faut que parce que parfois au point déception, c'est déception ça qui prend le temps mais réception. On prend déception ça que pays voisin fait nous on garder s'il ca convertir en réception. On va bien bleu, non bonne sans honte. En tout cas, et passer sur radio Caraïbes Jacques Audil là pour nous faire un petit parler sur situation population île Caïmite là qui est en situation très difficile. Situation très difficile, ça veut dire qui ça? Qui ça problème yo? Donc ce qui ça problème là, on connaît Caïmite, c'est un zile. Et donc depuis après le tremblement de terre 14 août 2021, et donc qui t'a frappé Caïmite et gravement grave et particulièrement localité Pointe Sable et qui c'est une zone en dans commune Caïmite là. Et qui population yo c'est beaucoup là yo yo habité ça veut dire bon littoral là donc malheureusement dans moment n'a parlé là population zile Caïmite particulièrement Pointe Sable on est au moment très difficile par rapport avec et la mer qui montait et plus haut que l'été connier donc il prend Caïmoun yo et actuellement là toute majorité population hein, donc il est obligé fuir et côté que yo té pour yo prendre monde et pour capable empêcher ça vient plus grave donc forme de son situation qui est vraiment vraiment difficile et parce que et non seulement mon était déjà dans une situation et très vulnérable par rapport avec tremblement de terre qui était et météo à genoux et avec problème ça et submersion marine ça qui vient et a continuer bailler pression sur la population faut que moi d'où sur population qui la guerre lui même seul qui pas
secours. Donc c'est pour raison ça matin, hein, m'en relais dans Radio Caraïbe, pour connaître qui c'est une média qui vient et a pile écoute à travers le monde là. Et pour que non seulement autorité étatique yo ta voyager sous population ça qui livre à lui-même seul, et comme ça tout la place un appel avec organisation humanitaire yo et qui a travaillé dans le pays là pour ta et presser faire une intervention en urgence avec population Kaimit là et particulièrement localité Prince Sable qui dans une situation très 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 difficile parce que Kai côté autorité inondé avec l'eau la mer qui envahit yo donc pour capable et soit investir dans des projets logements sociaux pour permettre que moun yo joigne un côté pour réfugiés. Donc vous pensez fort que tu as déplacé moun yo combien à combien vous estimez population Zelekaimit là? Alors ou dit population Zelekaimit là alors nous alors les estimations près environ de 22 000 habitants qui habitent sur toute l'île mais prennent sable dans localité qui actuellement dans la situation qui m'a décrit pour là, il y a environ 4 à 4500 personnes qui dans la situation qui m'a décrit pour là. Donc population ça li je dis à gens qui ont dit là c'est à délocalisation population hein, et qui sinistre là pour ta permettre aux gens notre espace qui est beaucoup plus aéré pour capable réfugier dans les cas contraires dans les jours qui viennent ou capable de prendre et situation li vinn empirer par rapport avec situation moun et comme dou guerrier et dans zone ça son zone qui gen pile grand monde et qui gen pile femme enceinte en pile petit monde donc ou connaît moun sa yo c'est catégorie et de monde qui beaucoup plus vulnérable donc et déloger moun sa yo c'est pas yon bagay qui aussi facile yo même pour compte yo donc yo nécessité de support soit autorité étatique yo ou encore gens qui me te dit tout à l'heure organisation qui a été vraie dans la question. Vous photo pour vous? Eh bien, nous n'avons pas de problème. Pendant la journée, je suis capable de partager avec vous. Photo, c'est ce technicien qui a demandé pour que vous partagez photo avec vidéo côté vous pour nous avec internautes. C'est ça. Donc, vous dites que ce n'est pas toutes les Kaimit qui. Que la mer a envahi, c'est ça? Non, c'est pas toute l'île Kaimit, okay. C'est Pointe Sable qui c'est une zone qui est plus importante en dans commune, là même pas le d'importance en dans commune, c'est par rapport avec c'est une zone qui a plus monde qui vivent là-dedans en termes d'agglomération. Donc c'est sa situation et donc et bah, c'est plus que urgent et pour ta gagner une intervention qui fait rapide dans les cas contraires. Donc bah, c'est nous capable d'entendre l'autre bagage qui est beaucoup plus grave que ça qui n'a pas été matin là. Qui ça selon vous qui à la base? Est-ce que ça qu'on arrive déjà que la mer arrive dans niveau ça? Donc une raison nous capable dire qui fait ça arriver et comme ça c'est et non seulement on connaît même gens connaît même avec moi et phénomène changement climatique là je dis à l'ivignon phénomène mondial donc Haïti il pas épargné des et situation et ça donc et non seulement la mer elle vient monter donc il pas de comme ça dans le temps il pas de comme ça dans le temps donc c'est au fur et à mesure notamment après passage gros tremblement de terre qui se passe 14 août là qui écrase Kaimounio qui est endommagé en pile dans infrastructure qui était gagné et dans zone là donc ça vient bailler possibilité en plus pour la mer elle envahit zone là presque capable de à 80% il prend zone là donc ça veut dire pile monde obligé fuir et caillou côté autorité donc pour prendre monde ou encore pour aller réfugier caillou quelques bon samaritain qui est capable bailler possibilité pour capable dormir soit forme d'eau et la mer était tellement montée donc et presque pas de monde qui était resté du tout et bon dans zone là par rapport avec gens situation elle était vienne est beaucoup plus grave donc c'est l'une des raisons que je partager avec vous et certaines photos avec vidéo pour être capable voir comment situation liée dans localité Pointe Sable. Est-ce que moun yo rete dormi nan kayo ou bien yo sa k pase mon côté de météo? Donc finalement yo pa rete dormi nan kayo non donc yo obligé jam sot dou la gen moun ki obligé pran moun avec ti morceau toile ti et morceau et près là et puis pou yo jwenn yon côté et pou yo dormi parce que gen ti moun l'eau a littéralement monté moun pa ka dormi nan kayo la sa kèm dou pou ta gen intervention en urgence. Sur une urgence pour capable déplacer Mounio, c'est ça? Pour capable déplacer Mounio parce que situation est très 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 grave et
c'est délocaliser définitivement. Et j'aime te dire tout à l'heure, je pense qu'il y a un projet logement social et ONG qui capte la question humanitaire qui est dans le pays. Il y a un appel m'a lancé avec eux, étant voie autorisée, Ville Kaimit, CETA, et venir avec deux projets durables et bail mounio une possibilité pour être capable de continuer à vivre. Donc CETA et construire des maisons pour eux qui sont capables de permettre une fois pour toutes de sortir dans la situation. Et moi-même étant coordonnateur avec Zilea, moi disponible et disposé pour me porter tout appui dans la mesure où tu as des organismes qui sont prêts et pour venir en aide avec la population, moi même pour me bailler tout support dans la mesure qui est capable pour qu'il y ait une solution qui peut être un problème. Ça. Zek, est-ce que Zilea, en tout cas, côté moun sa yo habite, hein, c'est des zones habitables, c'est des zones que moun te doit habiter? Et Mabdou, définitivement, ce n'est pas des zones que moun te doit habiter là-dedans. Donc, c'est des moun qui te choisi espace sa yo. Et dans un premier temps, c'était de pêcher que moun sa yo te. Donc, au fil du temps, les populations vont augmenter et puis moun yo tout habite les zones. Parce que soit le prince dans la zone côté Mabdou, la Kaimit gen deux zones. Et c'est des zones qui n'ont pas mérité d'habiter, malheureusement, les gens vivent là-dedans. Parce que la nature, arrivant là, ils peuvent obligé de demander les gens à se déplacer. C'est une partie, une grande partie dans le point de sable, côté de parler là, avec une zone qui est en zone. Donc, ce n'est pas des zones où les gens doivent habiter, c'est des zones qui doivent gagner des activités et touristiques qui sont faites là-dedans. Parce que c'est dans le littoral, là, c'est bon littoral là. Donc, ce n'est pas des zones qui, véritablement, sont destinées pour les gens à habiter. Mais malheureusement, pas de gagner. Et monde qui te mettait à disposition pour être capable non seulement empêcher moun yo et construire et continuer à habiter dans zone là. Donc ça vient ba yon gros population qui vient très volumineuse, donc pour déloger moun sa yo. Donc il y a des conditions qui doivent réunir pour déloger tout le moun sa yo. Mais cependant, je pense que si il y a une volonté et par rapport avec la vie moun sa yo qui menace, je pense qu'il y a des bagages qui sont capables de faire. Et pour conscientiser moun yo et pour faire connaître qui sont capables de venir éventuellement pour faire prendre conscience des situations pour être capable de loger. Merci un peu, Kazek. Nous sommes contents de parler avec vous au matin. On a parlé avec Kazek Luima Jean-Baptiste Kalek, Kazek Zile Kaimit, qui a lancé un SOS pour autorité par rapport avec la mère qui lui-même envahi Kaimoun yo. Merci un peu, Kazek. Merci à Pile Guerrier. Donc, la population Kaimit là est vigilant. Donc, prend toutes les mesures nécessaires, particulièrement mon point de sable, pour éviter que y aurait été dans des milliers qui sont menacés pour capable protéger la vie. Donc, merci Guerrier, merci. Mm-hmm. Et tout panel ici, merci Radio Caraïbe. D'accord, merci un peu, Kazek. Nous apprenons gagner une jeune yo qui était prend balle hier en bas pompe ça dans zone Kafou Tifo qui t'a mouri. N'a parlé de Eleanor Gerlens qui gagne 21 l'année et nous te dit déjà matin qu'elle était très très grave, donc elle est à mouri selon ça nous apprenons. Et l'autre jeune n'a parlé de Lunel Désir, n'a pas gagné trop d'informations sous Capalian, mais hier il était encore conscient. Avant nous allons parler avec Jodson Dirogène, avant nous allons parler avec le directeur départemental éducation Lroueslan, ben nous parler avec Vincent Serge qui lui-même c'est un dirigeant Unifos qui devait position par auto par rapport à situation politique paysan. Vincent Serge, bonjour. Allô? 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 Bon, nous semblait pas j'espère du contact avec Vincent Serge. Nous t'apprêtons à le faire parler à Cli matin, peut-être n'a qu'à faire ça. En après, un bébé, nous allons parler éducation. J'en ai fait dire. En effet, Guerrier, je seul gagne un bureau secrétaire d'État alphabétisation en tête coulée avec le ministère de l'Éducation nationale qui célébrait la 56e journée internationale d'alphabétisation. Une journée de célébration qui marquait avec présence plusieurs représentants institutions partenaires nationales, cours internationales qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Côté gagne environ 3 millions d'Haïtiens qui ne connaissent ni ligne écrit. Peterson Luxama pour plus de détails.
transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. L'alphabétisation et l'éducation non formelle, engagement de l'État et de tous les secteurs du pays, sont les principaux thèmes retenus respectivement par les responsables de l'UNESCO et du secrétariat d'État à l'alphabétisation pour marquer la journée internationale de l'alphabétisation cette année. Une journée de célébration qui a réuni des partenaires œuvrant dans le domaine de l'éducation. Dans son discours de circonstance, la secrétaire d'État à l'alphabétisation, Madame Suzette Michel Saint-Georges, a affirmé que les deux thèmes de cette année arrivent à point nommé car ils permettent de comprendre l'urgence de faire de l'alphabétisation une réalité. N'a pas excusé nos près de amis auditeurs internautiaux, nous tromper de fichiers concernant reportage Peterson Luxama que n'a bien pour nous tendre probablement dans prochaine édition nouvelle qu'a bien sous radio. Il n'a toujours été dans chapitre éducation. Jean Guerrier du Seul saute annoncé lui, nous t'a dû parler avec directeur départemental ouest ministère éducation nationale avec formation professionnelle. Nous parlons de Guerrier, est-ce que directeur déjà en ligne? Et directeur France qui ensemble avec nous, qui était souhaité parler avec nous matin sous quelques dispositions qui prend pour ouverture classe qui est fixée. Alors, classe, c'est 7e année dans l'école nationale Lyon et pour concernant date 3 octobre qui kembe pour ouverture classe. Directeur, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Caraïbes et M. Grand Boulevard qui a écouté nous la matinée. Oui. Donc, il y a une matinée qui m'a venu. Très bien. On nous parler d'abord sous disposition qui prend pour ouvrir classe 7e année dans l'école nationale. Yo, ben on suggère un peu le monde, en tout cas, on décision un peu le monde toujours pour qu'on finisse capable de comprendre. Une explication sur ça et après, on va parler de nos dispositions. Bon, merci encore une fois. Donc, décision ça, faut me rappeler nous que c'est une décision que ministère apprend, le ministère qui est dans le ministère qui m'a dit c'est, d'accord, c'est suivi un ensemble de recommandations qui étaient faites depuis longtemps, depuis 2010. Il ne faut pas oublier qu'il y a une commission présidentielle qui préside Préval, pour analyser le système éducatif là. Dans une recommandation, il demandait pour que la 7e année aille dans l'école nationale et que lycée ou collège aient pour recevoir élèves de NS1 à NS4. Donc, ça fait un pile. Alors, ce n'est pas seulement la commission présidentielle là, qui fait ça. Il y a plan décennal d'éducation et formation hein, qui fait même recommandation ça aussi. Donc, dans ce sens-là, le ministère de l'Éducation nationale voulait graduellement faire suivi à l'ensemble de recommandations. C'est ça fait année ça, au niveau de la direction départementale, nous avons identifié certaines écoles et qui ont déjà commencé à faire inscription des écoles nationales, environ 50, qui habilitées à recevoir ou qui autorisées à recevoir des classes de 6e année fondamentale. Ça veut dire ça. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de toute l'école nationale pour implanter la DEO ou classe 7e année, puisque nous n'avons pas de pari pour ça. Et graduellement, nous voulons résoudre le problème, ça, nous les fait suivi à ensemble de recommandations. Ça. Nous gagnons lycée. Ce n'est pas tout lycée. Ce n'est pas tout lycée dans le département qui n'a pas de classe 7e année qui est là-dedans. Dans le département, nous avons environ une cinquantaine de lycées. Mais c'est seulement 10. C'est seulement 10 qui habilité dans le département de l'Ouest. C'est seulement 10 lycées que nous autorisons à ouvrir classe 7e année. Pour qui ça nous autorise à ouvrir classe 7e année, c'est parce que dans proximité du lycée Sayo, pas de l'école nationale qui est capable de recevoir quantité d'élèves que le lycée est accueilli. Donc, moi, je voulais parler du lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Firmé, lycée Jean-Jacques, lycée Horatius Aventure, tout le lycée Sayo. Directeur France? Oui, allô? Oui, et il fait 8h à 2 minutes dans tout le studio. Nous, c'est l'heure pour nous monter de drapeau. Ou mettre rété sous fil idéa, n'a pas tourné garde à vous.
8h07 dans tout studio Caraïbe FM. Moi, je suis journal la première occasion, Grand Boulevard. Bienvenue dans la dernière ligne droite, journal là, après drapeau. Jean, nous t'es déjà à Feli, avant de prendre pause là. Nous avons recevoir Mathieu là, monsieur Étienne France, lui seul, lycée directeur départemental de l'éducation au niveau et département l'Ouest là, avec lui, nous avons essayé de garder cette question de 7e à 8e année. Yota faire comme prolongement l'école nationale. Yo, la bonne explication. Oui, directeur, vous mettez continuer sur même l'idée. Oui, oui, merci. Donc, ça me dit, c'est que l'école nationale, c'est pas toute l'école nationale en dans le département qui est autorisée à recevoir, faire inscription pour la 7e année fondamentale. Nous identifier ça qui est capable, parce que il y a de l'école nationale, nous, conscients qu'il n'y a pas une capacité justement pour accueillir une nouvelle classe 7e année. Non, mais quoi, comment citoyen yo, comment parent yo ap konnen que c'est telle l'école qui est capable de recevoir si monde pour ça. Information que t'as circulé tellement et ensemble de l'école nationale ça ou quand on fait inscription quand même dépassé quantité quantité élèves ça devient. C'est pour dire que information même si ou la presse pas connaît mais parents yo qui dans zone environnante c'est-à-dire l'école nationale ça yo yo quand à inscrit élèves yo dans toute l'école qui que direction départementale identifié qui capable recevoir et élèves pour nouvelle classe de manière et bien toute inscription quand à faire sous point ça nous pas de problème puisque parents yo quand a information il y a publicité qui fait tout ça directeur d'école ça yo quand fait des porte à porte dit parents ou communauté ou que telle l'école la prochaine classe est demandée, et bien tout ça, tout problème ça, pas résoudre. Oui, directeur Louis Seul, est-ce que le patadou est public pour nous dire mounio, mais qui l'école nationale nous IVKB, mais sous qui critère tout nous IVKB, parce qu'on paquette l'école nationale à travers le pays. Oui, je comprends ça. Son information tabou est public. Je comprends question, district fait travail ça à travers directeur l'école. Bon, si nous avons fait ça, nous devons peut-être citer l'école nationale qui est retenue pour nous dans le département. Par contre, si nous avons une bonne possibilité, nous avons une bonne possibilité. Et au nombre de combien? Si? Combien vous voyez comme ça? C'est environ 50. Il y a trop. Pas nous quelques noms. Pas nous critères, c'est pas toute l'école. C'est pas toute l'école nationale qui voilà. Est retenue. C'est. On sait de l'école que nous identifier inspecteur Algadé, il y a une possibilité pour accueillir une nouvelle classe 7e année et l'année prochaine, par exemple, la 8e année, c'est l'école que nous identifier, que nous choisissons pour participer. Et nous pas éliminer, nous pas demander lycée pour faire une classe 8e et 9e année contre Massa qui a circulé. Lycée qui va non lycée que nous autorisons ouvrir classe 6e année, année ça ouvrir classe 6e année, ouvrir classe 9e année va fonctionner. Donc ce bagage ça fait graduellement, c'est pas un désir brusquement que le ministère la prend, donc ça va être graduellement et c'est côté ça possible, nous te disons, même si le ministère l'a pas dit, c'est tout lycée, c'est toute l'école nationale, il dit c'est côté ça possible. Donc on peut voter et éclaircissement ça pour public là, pour communauté là. Et malheureusement, nous n'avons pas bien temps et cité dans toute l'école nationale qui est autorisée ouvrir la 7e année et lycée. Bon, lycée, il n'y a pas en pire, c'est environ une dizaine de lycées. Nous avons fait une cité. Il y a le lycée Racis Aventure qui est dans Delma, il y a le lycée Marie-Jeanne, le lycée des jeunes filles, le lycée et Firmin, nous avons le lycée La Saline, nous avons le lycée de Léogane, le lycée Anakaona de Léogane, parce que. Nous, lycée Anakaona de Léogane, nous pas de nous l'école nationale qui a une capacité pour prendre tous les élèves. Nous avons autorisé lycée Anakaona continuer avec et faire inscription en ESA pour classe 7e année. Donc en gros c'est ça, c'est décision ça. Donc c'est pas toute l'école nationale, mais c'est pas toute lycée. Et c'est pas son bagage n'a pas géré au cas par cas. Et peut-être que pendant l'année, il y a des décisions qu'on pour que l'autre école nationale offre de l'autre capacité, augmenter la salle de classe pour que le problème ça, une fois pour tout, nous résoudre puisque dans l'autre département. Dans l'autre département, il y a deux à trois départements qui viennent contact avec vous. Pas de classe, pas de question ça du tout. Ce qu'on a résolu définitivement avec un petit monde qui est dans la 7e, 8e, 9e année dans l'école nationale. NSA pour dans le lycée.
en pilot département c'est frontalier. Donc dans l'ouest, bon, l'ouest nous connaissons la majorité de l'école jouée, donc c'est graduellement avancé et je pense que d'ici 2 à 3 ans, son problème sera définitivement résolu. Qui disposition nous prend au niveau infrastructure pour réaménager l'école Sayo pour accueillir 3 nouvelles classes? Parce que est-ce que vous êtes préparé en conséquence pour recevoir quantité d'élèves Sayo? L'école Sayo que nous identifions, que nous choisissons, que nous autorisons, l'école nationale Sayo, que nous autorisons, oui, nouvelle classe de manière, dans le cadre de l'école Sayo, nous avons espace pour ça. Sinon, nous avons demandé pour toute l'école nationale. Dans le département de l'Ouest, nous avons environ 248 l'école nationale pour le département. Nous avons autorisé toute l'école nationale. Oui. Mais comme nous connaissons, il y a pile l'école qui ne répond pas à critères sociaux, à savoir capacité d'accueil. Nous obligés, pour le moment, c'est environ 50 écoles nationales qui peuvent recevoir classe 7e année fondamentale. Pour nous comprendre bien, directeur, pour nous faire un sujet ça net, parce que si moi, même comme journaliste, moi j'ai un petit flou, donc on pas besoin de dire peut-être pour citoyen lambda qui a pour radio, est-ce que ça t'a voulu dire que automatiquement, gagner l'école nationale nous permet de jouer l'autorisation pour prolonger jusqu'à 7e année, donc lycée, a tout par exemple 7e année? Justement, automatique. Parce que ça pour nous comprendre. Donc lycée a commencé à partir de secondaire 1, nouveau secondaire 1, ou bien 9e année. Voilà, justement, classe 7e, 8e, 9e année, c'est pour l'école nationale, c'est prolongement fondamental là, c'est l'école fondamentale. L'école fondamentale là, c'est la première année à la 9e année, c'est dans l'école nationale, vous voyez. Lycée, après recevoir élèves. Nouveau secondaire 1 jusqu'à NS4. Oui, c'est ça lié. Mais en attendant, nous pouvons avoir des capacités, nous pouvons pas en mesure justement pour définitivement résoudre le problème, même si dans le niveau quelques autres départements, sous un département nord-est, problème ça résoudre puisque pas gain dans lycée pas gain question et première année et septième année et à neuvième année pour n'importe quoi ça non il y a des autres départements qui ont fait gros efforts pour finir l'histoire ça pour nous même dans l'ouest c'est gros morceau à nous.